Depuis plus de deux ans, CAS engagé nos dynamiques de solidarité, d'accompagnement aux vieillards, aux handicapés, à des personnes en situation extrêmement difficile. Et dynamique ça, li abouti grâce à effort ministre Affaires sociales, qui c'est M. Charles Jean-Jacques, qui depuis le rive dans le ministère, là, qui ben, nous tout appui pour que CAS capable, je dis, capable de dire, pour aller vers la modernisation, pour que CAS capable recevoir bénéficiaires qui viennent en l'autre gens. Et nous avons tout profité pour nous remercier le ministre Charles Jean-Jacques, qui est le ministre de tutelle, nous, qui m'a tout appui pour que CAS capable de dire à un niveau ça. Nous avons dit que CAS, depuis 9 décembre 1938, qu'elle a créé, je dis, ça fait 76 ans, elle était créée dans un souci pour aider les gens qui sont handicapés, et des vieillards et des hospices. Alors là, nous parlons d'hospiciaux, c'est les gens qui sont dans l'asile communal. Et depuis là, ça a un esprit de solidarité. CAS toujours a aidé les gens. CAS toujours a aidé à soulager la souffrance des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents. Après 76 ans, pour que aujourd'hui nous recevons la presse, pour que nous fassions un petit bilan de travail CAS pendant tout le temps là et pendant nous arrivons ici en tout, pendant deux ans que nous sommes ici qui travaillent, qui font l'institution. Nous avons dit que CAS, pendant que nous arrivons, dans la dynamique, dans l'effort que nous faisons, nous développons 7 chantiers à travers CAS. Et dans 7 chantiers, ça qui était là déjà, nous renforcer. Premier chantier, hein, c'est volet assistance que yo bay moun qui handicapé, moun qui vieillard. Donc, et à travers volet assistance ça tout que nous bay les asiles communaux. N'a dit que aujourd'hui, hein, nous a environ 14 à 15 000 moun qui reçoivent assistance ça régulièrement, mensuellement, moun ça reçoivent. Assistance ça. Mais il faut dire que son assistance qui était là depuis longtemps, que nous venons ici à nous renforcer. Mais ça qui est plus important, c'est le deuxième chantier que nous avons dans CAS, c'est ça nous relève l'assistance que nous portons dans l'asile communal. Nous connaissons que le décret loi qui crée CAS, il était parlé des hospices. Et pendant que nous venons dans CAS, une enquête qui fait, enquête là, l'idée nombrée de 68 asiles communaux à travers le pays. Et à travers 68 asiles, ça y est, Jodian, CAS assisté par une subvention à 30 asiles communaux. Et asile ça, chaque mois régulièrement, ils recevront une assistance, ils recevront un chèque pour capable aider les gens qui sont dans une situation difficile qui sont dans l'asile.